yo likambo oyo kongwe lingaka te osio pandi lisusu polo polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka sebo mengo ya kongo okokufa polo 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 tika 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 akokabola kongo likambo oyo Soni ya barwande oko sambwa polo Polo, polo besi confiance kaka na mindele Baninga Afrika omo na bango pamba Oko simba touche viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Youebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques, et ça aucun effet secondaire, et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ces produits est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos.
Tant que nous allons à Poto, nous allons à souci à Poto Manda pour la Congo, vous, mon colonna Gosong, à tomber sur une acquis vacances. Nous allons à Sika à couper ma tête à Congo, Mbokanangai. On est mieux que chez soi. Na tili bambongo nangai et pas ya oncle Chimfundu. Lek ya maman nangai. Noko Chimfundu a swingai loko la mpunda nangai. Depuis on a fait ça qui est la 15 000 dollars. Mais bah y'a bisous la place moi dans ma poche. Bon, y'a le bagini. C'est le permis. Moi, ils ont que n'a pas de misat. Moi, je suis tonton Chimfundu, papa Chimfundu, oncle Chimfundu. Y'a le bagini. Mouke, mouke, ils ont que. Non, on va tout matin. N'a zongi qui ça. Nda kwe muna nate, ata terre ya pamba na muna te. Noko Chimfundu, abelinga imo. Alors tango kanda e matinga ipende na kangisa Noko Chimfundu. Nazwi solution. MB Assistance Immobilier. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être roulé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de 300 dollars par mois et après 10 ans, Nyongo Sili ou Komi, propriétaire, ou Kololopam. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilière, Bissonios Fongola Namaboko, dans Kololopam. Avec MB Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Aimons le Congo, élevons le Congo, protégeons le Congo, car la RDC, c'est notre avenir, c'est notre sang, c'est notre terre. La loi Tchani est le seul gage pour garder l'intégrité de notre territoire et de nos richesses. Alignons-nous tous derrière la loi Tchani, de père et de mère, de père et de mère. Pour commander votre piment, textez au 435-243-2318. Laissez votre nom et adresse, combien de bouteilles, cartons, palettes. Merci pour supporter la campagne de paix et de mer en la faveur de la Deutsche. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Merci. Nous sommes encore de retour aujourd'hui, mardi 6-6-2023. Donc, 6 juin 2023. Merci d'être là, déjà nombreux en train d'attendre cette émission. Vous nous suivez à partir de Facebook. Merci beaucoup, chers amis. Notre compte Facebook, c'est HK Today TV, tout simplement. Allez-y, écrivez HK Today TV. Bonjour Abisso. Pour vous abonner tout simplement ou cliquer au commis membre à Ask Today à ce niveau-là. Sur Twitter, info ils ont payé là sur Twitter de Zokende à tout moment. Compte Nabisso, ils a toujours Ask Today TV. Ask Today TV. Vous allez voir logo Nabisso Oyo ils a Awa. Voilà logo Oyo ils a Wana. De notre compte et les informations passent comme ça. Soki Totikeli. Batumusu baza la katoke ndakana bakonte ya batwana totangaka toko bakokotsa biso ba information lukuta et finalement lukuta e bongoni e komi vérité au courroir nango ndimeliango alors que za yangote. Je vous aime bien, je vous souhaite une très bonne émission aujourd'hui. Lelo na komi mabino na kati ya masolo je pense que mingi oyibo landaka biso na émission Oyo, vous voyez que ça fait pratiquement plus d'une année. Na tika la ko bete la li solo ya Joseph Kabila Kabangate. Na tika la ko bete ngote. Ça fait plus d'une année. Oui. Jour pour jour tout ça la ba émission. Na ole kaka donc soki na tangi kombo na peut-être déjà pour peut-être ce regroupement politique na ye ou soit ba Shadari ba sale ba déclaration mais Joseph Kabila en personne Natala Kotanga Kombonaete, Kosale la émission, un sujet sur lui. Lelo, je me permets de parler de ce sujet. Le sujet, donc après deux ans, presque deux ans, je me permets plutôt de parler de ces deux personnes. Il s'agit de Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans un sujet que nous disons, c'est d'abord une révélation que je vous fais aujourd'hui, et nous avons intitulé le sujet « Joseph Kabila est-il en train de préparer un coup contre Félix Tshisekedi ?»
Joseph Kabila est-il en train de préparer un coup contre Félix Tshisekedi? Je vous amène beaucoup d'informations aujourd'hui, beaucoup. Et à la fin, nous allons conclure si oui ou non, Joseph Kabila en personne. Je ne parle pas trop de sa famille politique. Aujourd'hui, il s'agit de lui-même. Est-ce que le silence de Joseph Kabila est-il un danger? Est-ce que ça nous conduit sur une piste de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Nous allons en parler aujourd'hui. Je vais vous en parler aujourd'hui. C'est pourquoi je vous demande de rester confortablement assis na kiti na Yolanda, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et ici, j'appelle non seulement vous qui consommez cette émission, mais vous avez la possibilité de recevoir des décisions. C'est notamment l'État congolais, c'est notamment les services de renseignement, c'est notamment et même l'entourage de Joseph Kabila aussi. Je fais cette émission à vous. S'il y a des contradictions, appelez-moi, dites-moi que Honoré a menti. Mais les gens qui suivent cette émission, depuis maintenant, nous tendons vers 2 ans et demi, ces gens savent que dans cette émission, manipulation, ils ont la caté, le kouta, ils ont la caté. Et ceux qui sont bébés, si tu l'obis le kouta, on a toujours le temps de revenir pour Nakoloba, Bolimbisabis. On a Betaki Libaku, je suis de retour pour corriger. Aujourd'hui, il y a de nouvelles informations, nous allons en parler. Alors, merci, nous allons en parler. Partagez l'émission, likez l'émission, surtout likez. Et puis, voilà. Alors, chers amis, d'abord, quelques précisions sur les petites informations dont on doit partager d'abord entre nous, avant tout, dans la solo, Nabiso. C'est d'abord, pour la bandeko, Bazana, Malobi, Bako. Badlini comme distributeur, il y a BioEbs Cacao. Numéro, ils ont en jaune. Numéro, on a en jaune, c'est pour vous. Numéro, on a en jaune, c'est pour vous. Comment on tape mes Kanga photo, comme ça, ou enregistrer numéro, on a sur WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp. Et puis, contactez Bango, bah, on peut ça yo, suite, puisque na yo qui mitoune belé, comme Eringaï, na salanini, na comme distributeur, tout ça. Je vous demande de suivre, d'envoyer votre message distributeur à ces numéros-là. On va terminer, on va aller jusque peut-être les 15 pour enregistrer les distributeurs. On arrête et puis on leur envoie des produits et on leur donne des orientations comment travailler, puisqu'on ne va pas rester tous les mois, toute l'année en train de chercher les distributeurs. Au Bazawana, Mike, donc on arrête les 15. Les 15, on arrête et puis on passe à l'étape suivante. Il y a quoi encadrer, bateau, bateau distribué. Et c'est ça le travail que nous allons faire ensemble. Deuxième information, et ça, pour la bande de coups, il y a bazo tout n'ingaï concernant ma cambo panneau solaire. Oui, c'est vrai, panneau solaire, les numéros est là. Encore sur WhatsApp seulement. Pas un texto normal, WhatsApp tout simplement. Ça va aller. On va vous donner de réponse, on va vous programmer, on va vous appeler, l'équipe va vous appeler, l'équipe va vous donner des orientations, comment avoir de panneaux solaires. Je rappelle ici que les panneaux solaires ont une garantie de 20 ans. Si vous choisissez les panneaux solaires et les courants, peut-être les courants pour la mine de Alibanda, tout ça, les panneaux solaires vont faire fonctionner tout dans votre maison. Quand je dis tout, n'a pas climatiseur, n'a pas cuisinière, tout. Et votre facture du courant, pour ceux qui sont aux États-Unis, ne va pas dépasser 10 dollars. Alors ça, c'est... Et puis, sur le botali, il y a un Américain, dans votre quartier, regardez qu'il y a déjà des panneaux partout. Vous finirez par avoir des panneaux. Alors, allez-y, puisqu'il y a du temps pour chaque chose. Alors, merci beaucoup. Commençons notre émission. Ah oui, Bandeko, il y a piment. Pili-pili des pères et de mères. Hein, pile de père et de mère. Le numéro est là. Na lobaki na bandeko basana ba sombi déjà ba pima au bache na boutique na bango. Bobe ngangai bope sangai adresse ya boutique na bino. Je dois parler de votre boutique, votre store. Surtout si eza ya ba congolais. Donc appelez à ce numéro, faites votre commande, peut-être en palette ou en toute la quantité que vous avez besoin.
Et je pense que tout va bien se passer. Merci beaucoup. Alors, commençons l'émission. L'émission, nous la commençons par... l'émission à lobby, tout ça là qui est émission à lobby, concernant les révélations de l'armée sur l'arrestation, il y a de Konabiso, comment on l'appelle, Salomon Kalonda. Salomon Kalonda, est-ce que j'ai toujours pensé, jeter un coup d'œil sur... Ah oui. Il y a un communiqué aussi très important. Bandekoutou Obasali, Club HK Today. Club HK Today. Je sais que Botikali Bozo travaillait binomoko. Tamoulaï. Na lingi na s'associer na Moussala na bino. Il y a HK Today. Tous à la club, tous à la... Moi, ma activité, ma projet, Isali. Et puis, s'il y a un financement, on ne va pas donner à un individu puisqu'il soutient, il a le club lui seul. Il faut tout à la bateau, à ça, bazo représenter par club dans Bokanabiso. Donc, toutes les 26 provinces, nous sommes en train de faire la liste. Bobandaï, qu'on s'est manifesté depuis lobby. Les lots continuent et nous allons arrêter à un moment donné pour nous organiser et voir qu'est-ce qu'on doit faire ensemble. Il y a quelque chose qu'on doit faire ensemble. Alors, vous nous écrivez à ces numéros, plus 1-385-215-0762. Vous écrivez seulement Club HK Today au Touélé, Club HK Today Bazouélé, ainsi de suite. Kokoma Mingite, Club HK Today Tel. Comme ça, on est en train de compiler tout. On reviendra vers vous, bako contacter Bino et puis Masore Kobanda. Donc, ça, c'est un secret, Moutoua et Baté, de quoi nous allons parler. Alors, merci beaucoup. On commence l'émission. Est-ce que vous pouvez nous informer de notre frère Kalonji TV? Oui, Kalonji TV va très bien. Kalonji Gustave va très bien. Je vous dis, j'ai parlé avec les membres de sa famille, avec son grand frère, non, le mari de sa grande sœur, son beau-frère, Bazalaki, sur le place. J'ai encore parlé avec lui, et il m'a rassuré qu'il va très bien. Talaga Chokwana, Bakeyi, na hôpital, Basali, tout. Malgré Moutoukandeng, na Lakisakibino, mais Kalonji va bien, Gustave va bien. Peut-être vous le verrez d'ici là. Il va répondre ses émissions, et ensemble, nous allons défendre le pays, Ndenge Tomesana au salaire. Donc, soyez rassurés, encore une fois que Kalonji Gustave va très bien. Il n'a pas de problème. Alors, est-ce qu'on peut commencer l'émission? Oui, commençons l'émission. Quelles sont les conditions pour être distributeur? Appelez à ces numéros, non? Le numéro est là, appelez et puis posez des questions, ce n'est pas à moi. Merci. Alors, merci beaucoup, chers amis. L'air tout ça, l'émission à lobby. Émission et Zouaki réaction à Mingi, ce qui est une très bonne chose. Mais une chose est vraie, tous nos frères et sœurs nous ont condamnés. Bandekoto m'a condamné Bissot. Balobi, nous sommes des manipulateurs. Nous sommes des manipulateurs. Et les autres qui sont animés des sentiments tribalo-ethniques, s'il faut le dire, Bazout révélait toujours, non, c'était un montage de Balouba, et ainsi de suite, puisque moi, je l'ai parlé. Il n'y a rien à voir, ça n'a... Donc, ce qui s'est passé hier, ça n'a rien à voir avec les Balouba. C'est la justice, et la personne qui prononçait la réponse au Bazout Salana, Salomon Kalonda, il n'est même pas du Kasaï, et ça n'a rien à voir avec les Kasaï ici. Même si j'en ai parlé. Donc, Okokotali fait le pour rien, parce que Jésus revient bientôt. L'ongola moté mamabe, il y a tribalisme, tout ça. L'ongola mona moto. Parce que ici, c'est une question de la justice et Salomon Kalonda. S'il y a eu un montage, dans mon point de presse, il y a Ensemble pour la République. Du début à la fin, c'est un montage de Félix Tshisekedi contre Batuya, Ensemble pour la République. C'est un montage du pouvoir en place. Mais posez-vous la question, chers amis, de Ensemble, Tochana ba sentiment pembeini. Pour quel intérêt Salomon Kalonda mouton peseye passeport à zone en RDC? C'est Félix Tshisekedi, n'est-ce pas?
il a appelé, il a dit, s'ils sont bloqués en Europe, le gouvernement y a Kabila, visa, allez-y à l'ambassade. Ambassade, c'est le pouvoir de Félix Tshisekedi qui vous demande de leur donner des passeports s'ils en ont besoin. Mais nous avons tous besoin de passeports. Vous avez travaillé ici, ensemble dans les pouvoirs de Tshisekedi. Vous avez été comme ça, bras dessus, bras droit. J'ai vu Moïse Katumbi quand il est allé voir Félix Tshisekedi dans la consultation. Sourire Tiao. Ils ont proposé des gens qui ont travaillé. Mais Moïse Katumbi n'était pas du tout Azaki tantôt plutôt. Bebani Koutouna, na Jean-Pierre Bemba, Bebani na. Non, Jean-Pierre Bemba na yeba kenda ki na. Bango ba la kaki Martin Fayoulouté. Ils étaient tous bien jusque-là. Mais aujourd'hui, quand on vous présente des éléments, si vous voulez, moi je vous demande que ce qui est loco et comme à Tekeno, tout utiliser un dingue tous mes mélangos, comme ça, les Congolais basoient. Le coutate, puisque ça risque de prendre la couleur de la vérité. Ce que vous dites, c'est un mensonge. Est-ce que, ce que nous demandons, est-ce que vous acceptez que ce procès, Salomon Kalonda, est le cas en direct, tout Congolais Bayeba. Comme ça, il y aura un moment où on va les confronter, un message na union sur notre téléphone. Et vous allez encore dire quoi aux Congolais? Vous allez encore nous incriminer quoi? Nous coller quoi comme reproche? J'ai posé la question. Chers amis, ce procès peut passer en direct. Mais pour des raisons peut-être de sécurité, puisque vous savez que le Rwanda est impliqué. Yangokutu n'a tout n'a cannabi, mais procès à François Béa, le Rwanda est impliqué. Procès à Bifor, le Rwanda est impliqué. Procès Oyoyu. Et quand on met les procès. Il y a 100 jours, Bachaka a voté puisque Zalaki vraiment entre. Bachaka est en direct puisque Zalaki est entre nous. Topotani est entre nous. Mais ici, ça implique les pays voisins. Et ça sera une honte si on montre des éléments. Moi, j'ai essayé de fouiller. Dans le but, est-ce que je peux avoir même des preuves? Alors là, attendez à ce que son jugement est bandanan. Nous aurons accès. Et je vais. Bon, enfin. Parce que maintenant, attends, sur la Kisibino, vous êtes là qu'on débatte. Même sur la Kisibino, preuve, vous êtes là qu'on débatte. Est-ce que vous vous rappelez de cette image? Là, je pose la question aux amis de Ensemble pour la République. Est-ce que vous vous rappelez de cette image? Je vais chercher l'image en question. Vous vous la proposez. Et je vais voir si Ensemble l'a est connu, l'a déjà accepté. Comme image, il y a image à bien. Bako la Kisabatu. Ici, nous avons raison. Excusez-moi. Alors, je vais vous montrer que Ensemble pour la République, ne nous poussez pas à vous traiter de. Comment tu es à niveau à Golobakenon, vous êtes des menteurs. Et on pense à bien, t'es quoi? Vous avez été très poli, mais acceptez que vous méritez politesse en Abissouana. Par exemple, je vous montre quelque chose ici. Alors, je vous montre cette courte vidéo. Ensemble pour la République, ce qui vous souvient, Bissot, moi je ne serai pas prêt à vous. Il y a un cannabino, un cannabino rigueur, que non, beaucoup ça. Avez-vous déjà accepté une preuve? Non. Regardez, c'est la personne qui parle ici, elle est conseiller stratégique ou porte-parole de Moïse Katumbi, ou à l'indique Kamita Tunaibite. Onyemba, il parle ici de quelque chose. Certaines personnes citées le Rwanda. Nous avons entendu d'autres parler de soupçons. Nous, comme ensemble, nous sommes un parti politique. Nous ne disons pas que c'est le Rwanda, pas que nous n'avons aucune preuve. Ça ne suffit pas de tomber sur une vareuse pour dire que c'était Zidane ou bien c'était Mbappé ou c'était Benzema. Il faut...
chers amis d'Ensemble pour la République, ici, le fait pour le gouvernement congolais de vous montrer une tenue de l'armée rwandaise, cela ne suffit pas pour vous de confirmer qu'il s'agit du Rwanda. Le fait pour vous, chers amis, n'a pas de vidéo, n'a pas d'image, n'a pas de son. Le fait pour vous, là, c'est le gouvernement. Bolobi, nous ne sommes pas en mesure de condamner les Rwandais, puisque ce que nous même là, vous parlez de la tenue rwandaise, ou armée, ou casque, ou tout. À la Tivarezia, Mbappé, ou le Bakenois, Mbappé. Exemple, les Anga Moutou et Anga Makolo. Mais c'est l'armée qui vous a dit que les Rwandais est en RDC. C'est cette armée. Quand vous aurez le pouvoir, ce que vous reconnaissez dans l'élection de décembre 2023, et que vous prendrez le pouvoir, c'est cette même armée qui commencera à vous donner des rapports. Il y a renseignement militaire, il y a renseignement civil. Vous allez croire à cette armée. Est-ce que vous allez croire à cette armée ou vous allez faire une autre armée? L'armée vous a dit, les militaires rwandais sur le sol congolais. Intervivez-le. Ils avouent que nous avons été mandatés. Notre souci, les aïe à boyer. Bolobi, non, les preuves ne sont pas suffisantes. Et là, tous les points de presse, les lobbies, Makele, les Nyonswana, l'armée est en train de mentir. L'armée congolaise est très là, la vérité, c'est pour vous ensemble. Jamais, n'habitez. Quelle vérité l'armée vous a, une fois annoncé, Bondimiang? Les Congolais, ici, je voudrais tirer votre attention que Ensemble pour la République est dans les mensonges. Ensemble pour la République soutient les Rwandais. Tout aussi ici dans notre émission, nous sommes en train de compiler. Il y aura un moment, tout pour ça, dans la élection, missiles, dans la casier. J'ai dit bien, missile, et ça, na place na haut. Tout pour ça, n'a pas permis l'élection. Tout pour ça, n'a moqué permis l'élection. Je vais vous donner des images dans cette émission. Et mingi, peut-être, bah, bo ya chaîne, ou libella. Bo ya ou libella. Et je m'en fous. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi soutient noir sur blanc le Rwanda. Ensemble pour la République ne condamnera jamais les Rwandais, je l'ai déjà dit. Ensemble pour la République, aujourd'hui, c'est le M23. Tous les communicateurs du M23. Baza Simaya, Salomon Kalondana, Moïse Katumbi. Nakamona Lobby. Mais Yabino Ezawapi. Tous les communicateurs du Rwanda, allez-y sur leur compte Twitter. Le gouvernement a menti. Alors nous, on ne va pas laisser le temps à ces menteurs, de pouvoir toujours jeter des pierres sur notre armée, quand elle vous présente quelque chose, à Kossi. Quand elle vous présente, alors, qui acceptera de soutenir l'armée? Il n'y en a qu'à soutenir l'armée, Nabiso. Alors, arrêtez de nous amener dans ces jeux-là. Nous ne sommes pas prêts. Alors, chers amis, on évolue avec l'émission. L'émission, nous évoluons par... Ne vous en faites pas pour la question, il y a Ensemble pour la République. Ensemble, moi personnellement, na komema, parce qu'il fallait que le Wanabi soit vérité. Mais quand vous persistez dans les mensonges, en tout cas, je suis parmi je suis en train de faire la compilation vers septembre, août-septembre, Honoré Bimisa. C'est pas seulement pour Ensemble. Et vous allez ma tête. Alors, autre chose, chers amis, je vous amène au Rwanda. Au Rwanda, Paul Kagame a changé. Parce que je vous ai toujours dit que quelque chose qui touche à notre souveraineté. Et si Kabato Sola, Likamboyer, Desemena Yoki, il faut Nayako Funda. Nous sommes au Rwanda. Au Rwanda, Paul Kagame est en train de changer son armée. Ce n'est pas notre problème. A changer, Batounaïe, et Ali Bissoté. Si vous pouvez voir la liste, pourquoi je parle de ça.
sur cette liste, Bima Kilobi, les cinq, vous verrez les noms de tous les nouveaux nominés Bazawana. Mais il y a un numéro qui m'intéresse plus. Le numéro qui m'intéresse plus, c'est le numéro 2. Qui est le lieutenant-général Moubarak Muganga, qui est devenu le nouveau chef d'état-major de RDF. Alors, j'ai commencé à étudier motu na motu. Mais qu'on se rende compte que Moubarak Oyo. C'est lui, si vous vous rappelez, dans sa émission Moko, c'est lui qui a déclaré dans un meeting au Rwanda que le Rwanda est petit, on ne peut pas faire la guerre au Rwanda. L'endroit pour les Rwandais pour faire notre guerre, nous entraîner, faire les exercices au Tomesana, Toyekola, c'est la RDC. Je reviens sur une partie de son image, peut-être un extrait. Et puis je me pose la question, ces messieurs, quand aujourd'hui Paul Kagame accepte de les mettre à la tête de RDF, de l'armée rwandaise, puisque chers amis, dans la politique sécuritaire, tout changement a un sens, a un message. Le monsieur qui a pris la tête de l'armée rwandaise, là, un ennemi juré de la RDC, il l'a déclaré pour lui, Azwa RDC, le lotolobi. Et là, je voudrais donner ce message à nos autorités militaires de la RDC. Ça, c'est une autre, peut-être, je vous donne d'abord une idée sur le monsieur en question, le général Moubarak. Moubarak, il est où? Bon, j'ai deux ou trois vidéos du général Moubarak. Et je me dis, je dois alerter. Bon, suivez ça. Je peux peut-être faire une traduction, mais il y a une traduction en bas. Vous pouvez lire. Ça, c'est la première vidéo. Buri muntu akamenya uruhare rwe kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gye ngira imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo hano Rwanda Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini bibazo byacu tukabirangiza kandi abamotari ntacyo bakuru bateye ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe hari umwana dushobora kumugwira hari umugore dushobora kumuhirimira hari televiziyo mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo kandi mu bisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga mana yacu rwose udutsindira intambara ku mutima nkabona imana yanjye igisengesho nturyo kuko jyawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo none se mudacumuraho imyaka 70 aracyarwana jyewe wa 55 oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite rwanda eya ntabwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubundi n'inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu rwanda eya hakamanuka twe tukarangiza ikiraka tukagaruka twigira insinzi izo rero nizo ngufu z'igihugu cyanyu niyo mahirwe igihugu cyanyu gitanga kugira ngo ariko mugire umutekano rwose ntimukajye mujya gushyushywa n'ubusa bw'abo bantu intambara zasigaye ku ikoranabuhanga YouTube. Amis, dans cette vidéo, le général Moubarak est en train de dire ceci. Peut-être botangi traduction en zanasoana. Il dit ceci à Lobby. Le Rwanda est un petit pays. Nous ne pouvons pas organiser une
accepter une guerre entre à l'intérieur du Rwanda. Rwanda est amouké. Okubundawa, okonyatabana, okonyata mikolo, bako bakonyatamana makolo, okupanza télévision, puisque vous avez un peu de temps. Alors, pour cette raison, nous savons là où la guerre doit se faire, c'est là. Et là, ils ont un grand pays. Parce que quand on a un peu de temps, du coin, du coin, bitumanabiso et zawana. Et puis, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, Seigneur, tungabiso, bitumbo esila, na RDC, na Rwanda, bitumbo esila. Il y a un peu de prière ya boye. Biso to senga kananzamba yoka prière ya ndenge wanati yango yoki bato baseki wa 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 abi prière ya boye ekoyoka na tenzamba koyoka yangote. Non, nous voulons la guerre là parce que ça est sekana biso. Et puis cette fois-ci wana sikoya yeko confirmer lobi, cette fois-ci ekomi kutu pété puisque nous avons Rwanda ya toka zone ba Rwanda ya se eru Rwanda Rwanda plutôt Rwanda Rwanda. Il nous prend. Et il nous amène d'un coin à l'autre dans une minute. Tokei, Tosali, Yomanabiso. Et nous retournons au Rwanda avec victoire. Général Mubaraka ici, qui fait de la RDC son champ de. Donc, et si on a eu à Koukendo, ça, il a dit Rwanda, Zalakina, le chef d'état-major. L'ERK a autorisé, Biloko, Yaba Rwanda, Bazali, Baba, Nakoukendo, RDC, tout ça. Non, avant. Les autorités militaires de la RDC s'occupent de la mato yakoyo kaboyo kanga que Moto Bache, général Chico, le chef d'état-major général, comme on a écouté, général Chico. Donc, Moto Anazaïko Kana RDC depuis Azana no Libanda. Maintenant, il est chef d'état-major, c'est lui qui coordonne les troupes qui sont en RDC. Qui a zalaï koka na RDC, mais si koba pesye, penzanzela. A vous aussi de le regarder très bien. Na lingite kokene sur la liste, naib sabino, moto na moto position na ye à l'endroit de la RDC. Lui là, c'est les dangereux qui peut décider aujourd'hui, token de marchant sur la RDC, puisque ba marcha, ba zonga na victoire. C'est ce qu'il dit. Alors je voulais juste vous alerter que. Moto akufaka, donc non, bon pèse a yé confiance te. Bon pèse a tata yé confiance te. Azana plan, na ba vidéo na yé nyon soa kanaka toujours a récupéré parti na yé RDC. Et là, il est à la tête de l'armée, soyez très, très, très prudent. Moi, j'ai fait mon travail. Awa yako beta kam matraque, awa, bino pe bo sala ya bino. Botte la tata wana ba projecteur, botte la batonaye bazana RDC, bo multiplier vigilance, puisque maintenant, ce changement de Mubarak à la tête de l'armée rwandaise, c'est un plan. J'ai dit. Alors, chers amis, Tobie Tamasolo Nabiso, il y a sujet Nabiso Alelo, et c'est ce qui va nous permettre de terminer notre émission de ce soir. Sujet Nabiso Amounen Yango. Alors. Est-ce que vous pouvez me faire un like de cette émission? Est-ce que vous pouvez me liker cette émission? Est-ce que Naibi qui m'a rendu moussous, peut-être n'a relevé les lots et qu'on s'appelle ça battre? Vous en avez des miap nabiso. D'accord, vous avez votre demiap. Demiap à Yébi. Moi, je voulais alerter ça pour tous les fidèles de HK Today. Bye bye, que HK en a parlé un jour. Ouais. Demiap, j'ai confiance en Demiap. Même ceux qui vont partir, mon souci, ils ont confiance. Moi, j'ai confiance en Demiap. Oh, merci beaucoup. Nali, tout compte à la polémique, est-ce que tu crois? J'ai confiance en l'armée Nabiso. Nous avons cette armée-là, et il n'y a que moi, ceux qui n'ont soutenu, il y a un autre qui viendra soutenir cette armée à ma place. Donc, ne donnez pas l'impression que Bisso Toza en armée, Toza soutenu Yangote. Naloba qui a route Nabanago. Nabanago là, t'as la tenue pour montrer combien je soutiens cette armée. Makila Nanzo Topé Namolim. Donc, les amis rwandais, apaisez-vous. J'ai dit ce qu'il fallait dire et point barre. Ce que vous continuez à consulter, Bossi Kanabino, et je ne souhaite pas entrer dans des polémiques avec vous.
Alors, il y a un assemblage là dans l'émission rwandaise, ça est belé. Restez sur les émissions en Kinyarwanda, rwandaise, ça est belé. Vous êtes ici, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes ce qu'on a armé en Abisso. Alors, Sabino, ce qui s'est passé, ce n'était pas le sujet du jour, peut-être, dans la Sabino Lobby. Merci beaucoup à Janvier Kafunya qui nous a donné $5. Merci beaucoup, mon frère. Je ne souhaite pas montrer tout. Bon, c'est cannabis armé. Mais armé, au besoin, c'est qu'on a dit, oh, wana, boyebi, oh, wana. Mais oh, yo, yo, yalelo. C'est une autre armée, peut-être, que vous allez découvrir. Apaisez-vous, soyez calme. Soyez calme. Mon armée, mon sous, beaucoup de babinger d'essai avec une nouvelle armée. Je vous l'ai dit, toza, alelo, les six. Alors, chers amis, parlons dossier Joseph Kabila Kabange. Vous le savez, ça fait quand même un temps, je le disais au début de l'émission, que je n'ai jamais eu l'occasion de parler de la situation Yajikaka, Joseph Kabila Kabange, comme ancien président de la RDC. Tous les occasions, puisque l'information autour de Joseph Kabila est toujours bloquée. Point de presse, c'est à la caté. Nani, balobaki, barossa la congrès pour n'a qu'on s'est positionné dans matière à élection. Congrès, on a, et kendati lelo, n'a habité sur barossa la, on a 2000 combien, et ça la réalité soutée. Bah, rencontre, et ça la quitté. Bah, rencontre, moko avant Masolo, il y a période Katumbi na Kabila baye kokuta na nanini. J'ai suivi leur rencontre Ezaïe Kosale mana Sosimat dernièrement. Ezaïe Kosale mati bisika eloko ekabola bango ezambongo ebima côté et kenda côté mafa. Chers amis, je vous ai toujours dit la vérité et rien que la vérité. Bon moko ebima période ya marche moko bo basalaki. Bon wana e divisa batu ya Lamuka et divisa pe batu ya FCC. Confusion et Kokota, FCC et Salim Issa, Moni Bamouta, Baba Salim, Yabango FCC, Toki, Renové, Banani, Remochi Banatikalina, Oyaye, Naba Shadari, Oyonani, Oyakene, vice-président Yasseni, Nani, Azalaki, ancien gouverneur, Boisori, Anani, Akene Pena Oyaye, Baba docteur. Docteur Kabange Numbi, batika la pe na ngamu na bango, biloko wana ikabona, mbongo ikabola bango place wana. Siko kote Joseph Kabila, tika la, ezo yebanate. Puisque tout le monde là agit au nom et pour les comptes de Joseph Kabila. Abi mana media boye, nous d'abord, d'ailleurs, l'autorité morale nous a dit. Bango bakei, bamususu babimi na media, nous agissons au nom et pour les comptes, il y a autorité morale Joseph Kabila. Il est d'accord que tout est dans le processus électoral. Bah, Moussous Mabimi, Shadar Alobi, ni enrôlement, ni processus électoral, pour que nous s'enrôlions. Ça, c'est Kabila qui a dit. Donc, information autour, il y a Joseph Kabila, et comment qui difficile à saisir. Puisque, qui donne quoi? Bah, Shadari, Chabango Pembeni, dans le mouvement, il y a Bajen. Bajen, Chadari, il y a reconnaissé à Bangote. Bamsous Babino, nous reconnaissons seulement Remochi Banda, ainsi de suite. L'ère Totika Liwana, depuis un temps, Joseph Kabila, Atikalaki, Mouke, pas Mouke, Atikalaki, silence, radio, concernant évolution et la situation en Boka. Et tout le monde, nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que dans tout ce que nous vivons chaque jour aussi, il n'y a pas ce pays abyssément. Batuba kufa na ba catastrophe naturelle. Batuba bika. Batuba sepela. Match e beta mawa. Guerre kuna to gagner, to perdre. Alors que nous avons un ancien président dans ce pays. Il est où? Et les gens nous répondent qu'il est à Kinshasa, soit à Lubumbashi. Pourquoi il ne parle pas? Et à cette question, personne n'a jamais eu de réponse. Inquiétude, il y a un Congolais presque nions. Nous avons gardé ça. Mais quand le silence devient de plus en plus inquiétant, parce que j'ai toujours dit, la communication rassure et le silence inquiète. Du côté Joseph Kabila, le silence est lié au Bimisamisissa. Joseph Kabila, d'après ma information, a commencé à se sentir un peu frustré
jour Félix Tshisekedi a passé un message naïe à lobby, j'annonce des consultations. Vu ça, puisqu'avant consultation, bah, il s'entendait, il s'appelait sans problème. Mais l'air de ce que Félix Tshisekedi a bandit, il a constaté que les gens, je dois peut-être faire une petite anecdote, pourquoi Ebimi Mabe, puisque l'FCC attendait reprendre le pouvoir. C'est pourquoi organiser qui m'a comme nabango et belé dédié de caméra et tout ça. Caméra et Kolongwa, boulevard et Tikali, bah écoutez les mela, le président de la Cour constitutionnelle, Vielwamba, fait nous tomber. Je sais qu'il est temps de reprendre le pouvoir en abyss. Quand même 2 ans, c'est trop. Pression sur Luamba. Luamba, voyant aussi qu'Akomagi des Anasuka, il y a carrière, il y a vie. Il ne voulait pas porter cette charge sur ses épaules. Président Luamba promet de l'autre côté que Bozela Bopé s'en attend, je prépare ça. Il vient dire au président Félix Tshisekedi que je suis sous pression. Souci à FCC que je te fasse tomber. Je ne suis pas prêt à Kozoa, charge Johanna. En plein COVID-19. Les aéroports du monde fermés. Luamba dit au président Félix que protège-moi. Je ne saurais pas pour l'instant te faire tomber. Je ne vois pas une raison. Sous pression, il y a FCC. Protège-moi. Le président Félix Tshisekedi, avec ses contacts, il y a Zaman à Belgique. Il appelle la Belgique à lobby. Je dois arriver. Vous confiez quelqu'un pour protéger. Total aboyé, Luamba, a bêté la lissolo à ta avocat na yete. Bon, mon a Théodore Ngoï, a zobi mana TV, a bandi ko lobe, a bilobe la. Théodore Ngoï, a lobi, Luamba est ici, il n'a pas de missionné. Wana Luamba na Belgique, amené par le président de la République lui-même. Je suis tenté de peser mes mots. En plein COVID-19, l'aéroport, il y a Kinshasa fermé, il y a Bruxelles fermé, mais jet privé est quitté la Belgique. On a confié Luamba aux Belges, protéger ces messieurs. Félix Tshisekedi a zongi na retour na Kinshasa, bigogo siko e butu, oyo mukeba ya loba e butu. Ministre des Affaires, ministre de la Justice, Tunde Katsende, saute. Mabunda, saute. Parlement, saute. A annoncé Banini Naïwana, puisqu'il avait déjà dans la tête que Nabiki. Et ça, c'était une surprise pour les FCC. Et le Kwana, l'herba, c'est qu'il y a 5 bango qui boya, tout ça, la consultation, FCC, tout baboya. Mais, c'est ce que le mécanisme a fait, côté li, FCC, babunda par tous les moyens, puisque m'a proposé place à Tunde Akasenda, et Zalaki, place à FCC. Ministre de la Justice. Tout de suite, tout Kassende tombe. Tout d'après, Akenda Kusala Bouzoba, il a signé la loi qui va prendre la justice en charge. Donc, Bazala, au-delà de la justice. Justice, Bazala, n'était pas contrôle sur la justice. Puisque plan n'a pas là qui Bazala, il a monté plan. Mais Kendo signant à titre individuel, il y a Kendo Bakke, le gouvernement, dans les conseils des ministres, a adopté. Bien, on a parlé, ma bolé kisayango, loi et les cas. Comme ça, moi, le ministre de la Justice, j'aurai un pouvoir sur toute la justice. Donc, moi, Zaki, loi Minako et loi Sokinani, rappelez-vous de ces histoires-là. Alors, tout ça, Félix Tshisekedi comprend déjà les plans. Abandi ko sautissé, batouana, moko après l'autre. Le PPRD prend les noms, 3 noms. Parce que les jours suivants, dans les conseils de ministres suivants, Félix Tshisekedi avait demandé à Tunde Akasende, il se connecte comme ça pour Abanda Réunion, puisque tout était en vidéoconférence. À ABC, monsieur le ministre de la Justice, déconnectez-vous. Vous n'êtes pas les bienvenus dans cette réunion. Et depuis ces jours-là, depuis à se déconnecter, a-t-il les lois à la Ozongat? PPRD a joué proposition et à ministre Monsous. 3 jours ou 4 jours après, ma paix ses propositions,
tina minito tozoloba proposition ana elekate et ça tout de suite on a compris de l'autre côté du FCC que Félix Tshisekedi n'est plus avec nous et le divorce était consommé. Depuis ces jours-là, Joseph Kabila commence à bandi ko se méfier na Félix Tshisekedi. Ba rencontre bazaye ko sala ezali sousouté. Ba appelle ezali sousouté. Ba vin ensemble bazaye ko zo ezate puisque même si on prenait ces vins là, c'est pourquoi aujourd'hui moi je vous demande, je vous conseille partout où est-ce que vous allez. Moto tout à l'heure dans moto osa osa na yo partage na evin. Est-ce que ces vins là il les partage dans moto mana ya kofongama. To il a un plan derrière ça. L'air basali ni nuana il est qui? Kabila décide de laisser, adopte le silence au lieu de parler. Tout ce qui se passe en RDC est calé à bisou. Le comité na masoloka makamba ba élection. Et Sadar Yabimi à lobby, je demande à tous les Congolais qui ont confiance en Joseph Kabila et aux autres de ne pas aller voter. Alors nous avons dit ok. C'est bon. Mais regardez comment les Nzambasala Ramakamoussous. N'habitez si nos politiciens réfléchissent. Lélo, il y a un débat. Il y a Mouilagne, directeur de cabinet, il y a Joseph Kabila, qui réclame en disant pourquoi on n'a pas donné des sièges à côté de ceux qui sont dans la longue. Botala n'a compte Twitter. Il se fâche en disant pourquoi cette injustice, vous n'avez pas donné. Cette loi, donc, Bazo critiquait la loi, ça c'est une parenthèse. Et là, oubliant que Bavandi, Bangomoko, n'a point de presse, ils ont appelé les Congolais à ne pas se faire enrôler. Mais si vous avez demandé aux Congolais, entre nous, la logique Yamouke, Bosseng n'a pas Congolais qui va s'enrôler. Abstenez-vous à réclamer des sièges quand même. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas eu de siège là-bas, puisque peut-être ces gens ont écouté votre mot d'ordre. Il fallait se taire. Mais Lélo, c'est un débat. FCC qui dit, pourquoi ici, des sièges, il y en a autant, là-bas, il n'y en a pas, donc le processus est mal organisé. Alors, depuis un temps, Joseph Kabila, voyant tout ce qui se passe, il a organisé une équipe restreinte, Yemoko. L'équipe en est composée de 4 personnes. L'équipe Benda Oyuya a partagé na Bango Masolo. Remo Chibanda, Emmanuel Ramazani Chadari, Marie-Ange Mouchobekwa, et puis Azarias Urberoa. 4 personnes. Ils se réunissent et ils réfléchissent. Namakambo Italie à venir y a RDC. Pour eux, Bazozoa Makambo Nyon Soizo le Kana, Nakatia Union Sacrée, et surtout colère les Soussous, et ça que l'Union Sacrée est allée prendre Akezoa Batutu y a FCC pour anéantir, pour n'arrêter sa pouvoir y a FCC. Yamonga Nazaye Koloba en Alobi, l'Union Sacrée binoana Bazozoa Batutu y a Kabila. Est-ce que vous savez que Kabila Azamutu Ako sepelate amona batuna ye oyé à sala kilobi le loba le kalisutu na TV baba na kofinga ye qui a supporté ça na Union Sacrée. Il fallait ba sala ta plateforme na ba omoko boye indépendante. Non, bangoto bazoya to ye kotoyo puisque tout le monde ça va et de l'autre côté c'est de la pourriture. Tout ça ça a énervé Joseph Kabila mais c'est toyébité. Il constitue une équipe de 4 personnes là. Marie-Ange Mouchobekwa, Azarias Urberoa, Remo Chibanda, et puis Ramazani Chadar. Aligné Batouana pour amener son message à travers le monde que si le mal arrive en RDC, Bouzouangaï Kabila Mabete. Je ne suis pas d'accord avec ce que Tshisekedi fait. Alors, il envoie ces gens à niveau de la région et puis à niveau international. Tous les mois de mars, cette équipe de 4 personnes,
Par contre, la mission, soit on a deux personnes, soit trois personnes, soit on a quatre. Mais c'est quatre personnes. Ils sont allés voir les Sud-Africains, le président Ramaphosa, en les sensibilisant en disant que ça ne va pas de l'autre côté. Joseph Kabila n'est pas pris en compte par le pouvoir en place. Si le mal arrive, vous voyez ma bête. Balongo wana bake na Zimbabwe. Balongo na Zimbabwe bake na Namibie. Ils ont rencontré ces grands pays de la SADC. Avec un seul message. D'abord, vous allez vous rendre compte que Tshisekedi a détruit le pays. Joseph Kabila a laissé le pays uni. Il n'y avait pas une partie occupée par tel ou tel autre groupe. La deuxième chose, Joseph Kabila est celui qui a permis l'alternance dans ces pays. Et la troisième chose, Joseph Kabila est considéré comme une pourriture par les pouvoirs en place. Un jour, vous pouvez s'y torter. Vous pouvez s'y niveau de la SADC, vous pouvez niveau de la EAC, niveau de la région. La EAC, vous pouvez Rwanda, Bakutanina, d'abord, il y a la première personne. Ça a beaucoup de tours au Rwanda. Bakutanina, Ouganda. Bakutanina, Kenya. Bakutanina, Tanzanie. Le message n'a pas été dit. Il y a risque d'une crise politique d'ici là en RDC. Soyez informés. Intervenez. Il doit tenir compte de la présence de Joseph Kabila. Sinon, rien ne va aller. Et puis, dans tous ces messages, les grandes réclamations, les animent. Bien sûr, sensibiliser sur l'éventuelle crise politique qui arrive. Quand on dit crise politique, le niveau de compréhension, il y a bien, c'est que, soit il y a un coup d'État qui n'aura pas de sens, qui ne sera pas facile à expliquer. Soit il y aura un chaos pour Nabango Bazo détecter d'abord que élection, pour Joseph Kabila, élection est atteinte en 2023. Dans les messages qu'ils amènent à Batonios. Mais, donc, Nini, élection est atteinte en 2023. Et crise politique, on a que peut-être tout ce qui se fera à l'issue des élections, pour Joseph Kabila, les élections sont forcées. Et vous allez respecter par une autre, donc, par la population, ou soit par la politique, et ça va créer des conflits terribles dans Katamboka. Et puis, on aura du mal à gérer ça. Vous de la région de Grand Lac, vous de la SADC, il est encore temps d'appeler Tshisekedi, dites-lui ça, qu'il revienne à la raison. Voici les grands thèmes. Wana na niveau ya région de Grand Lac et la SADC. Début du mois, non, vers la deuxième quinzaine du mois de demain, il a reçu la nouvelle dame ambassadeur ya États-Unis, na RDC, qui s'appelle Lucie. Ayambiye na Kingakati. Bangomi Balé, avec peut-être une équipe réduite, pendant plus de 2h30. Namasolo na Bango, wana ambassade ya États-Unis. Ambassade ya États-Unis, Kabila contre ambassade des États-Unis pour leur dire que vous avez induit Tshisekedi en erreur. Parce que votre prédécesseur était le conseiller de Tshisekedi, puisque Mike Hammer était considéré comme conseiller de Félix Tshisekedi. Joseph Kabila n'était pas à Zakina Elongi à Essengote quand il a parlé à la dame ambassade et à l'ambassade des États-Unis. Il a également parlé, toujours à Kingakati, dans la même semaine, avec l'ambassadeur des Pays-Bas. Il a parlé à trois reprises à Bintou Keïta, toujours à Kingakati.
Namasolo Joseph Kabila a solo li naba corps diplomatique na ambassade AFC Bango que vous êtes resté les yeux fermés, vous ne voyez pas ce que Félix Tshisekedi est en train de faire contre moi. Il évoque la première des choses. Un, je suis privé de ma liberté. Moi, n'a bougé exacte. Pour que Nabima, Nakende, l'Afrique du Sud, j'ai besoin d'attendre une autorisation de sortie. Et parfois, Bazobo Yakope Sangango. Il a évoqué deux fois Boyelaye, autorisation de sortie. Najet Naye. Qui bloque Jean Bellou avant qu'il soit comme malade. Et Jean Bellou, d'après Joseph Kabila, ce n'est pas lui qui bloque, c'est Félix Tshisekedi qui bloque. Parce que Jean Bellou travaille pour les comptes, son superviseur direct, c'est le président de la République. Joseph Kabila évoque ça. Et il évoque également en disant que Nakenda Afrique du Sud des Aïsika Natangaka. Nakenda Afrique du Sud des Aïsika Nasalisaka suivi Nanga médical. Mais on me prive la sortie. Je ne suis pas libre de sortir. Ça, c'est une chose. Et il l'a dit avec Elongia Mutuya Soda. D'après ma témoignage de Nazanam. Deuxième chose, il dit que on m'a refusé la sortie. Il y a Nadjet Nanga. Je suis allé à Lubumbashi. J'ai pris la voiture pour aller en Afrique du Sud. Imaginez-vous la souffrance que j'ai endurée dans Nzela pendant que je ne méritais pas ça. Ça, c'est Joseph Kabila qui dit. Alors, la deuxième chose qu'il réclame à Lobby, il y a beaucoup de tracasseries dans l'entourage d'Angaï. Ce qui va accueillir le ministère des Affaires étrangères pour renouveler le passeport en Abango, au Salaboy. Ils n'ont pas droit. On les bloque puisqu'ils ont travaillé avec Joseph Kabila. Il leur pose la question, dites-moi en quoi moi je suis diable. La troisième des choses, ils ont tout fait, ils sont en train de tout faire pour envoyer tout mon entourage en exil. Donc l'exil forcé. Là, c'est la réclamation de Joseph Kabila. Maintenant, bon, quand je prends la question, même par exemple, il y a Batoua passeport, je comprends. Mais question, il y a Batounayo. Parmi Batounayo, il évoque John Numbi, il évoque Binu Karubi, il évoque l'ancien de l'ANR, il évoque qui autre. Mais ce sont des gens qui ont fui, cher Joseph Kabila, ce sont des gens qui ont fui Mabé Basala. Makenda Kosala, Nini, perquisition na parcelle, il y a John Numbi. Joseph Kabila Kabange, vous avez vu ce qui est sorti Nandako ya John Numbi. Même na pouvoir na yo, est-ce qu'on pouvait tolérer ce genre de choses Nandako, na ville. On trouve une morgue pendant la katibatu, bazo tchana ba congélateur, ata yomoko. Est-ce que moto ndenge wana, ok no fonda ke rosa la nakanda ke non, je dois, et il faut na venger. Moutou loko la, moutou ya aner. Biloko yo, les 40, les kunda na butu, na mbense ke kuna. Ba fous komine wana. Eza na moutou ya Kalev. Kalev s'est senti que, a salamabe na ba Kongole nyos. Vous voyez que biso tozaki na kina, Joseph Kabila. Ça peut-être c'est un conseil. Nous étions à Kinshasa. Okolobate kombo ya Kabila na bus. Hôtel, mais c'est chauffeur, tellement bien sur Nayokita. Bazalaki wana. Ok, pour une destination, un aller qui n'a pas de retour. Et ça, c'est sous Kalev. Je ne peux pas vous citer les nombres de. Ce qui est dans la lobby, dans la télévision, dans la lobby, tout celui qui a perdu son frère à Kinshasa, t'il est loin, t'es là, la suite, n'a y été. A Bunga, libéré, n'a ndako. Oui, mais la liste, moi, je suis là. Alors tout ça, Batounayo Bayoka Bangomoko, que parce qu'il y a des Congolais qui gardent ça en tête. Moi, quand j'étais arrêté à l'époque, Batanga na Kasho Mokoya, na Samabele na Kinmazierona. Général Arauso, ya Rwanda Zakina colonel.
kasho na zomu na mutute libanda. Na omu na iloko te. Na iba kite, na lobite, na finga kite. Pourquoi? Puisque je parlais de la question de l'insécurité dont vous étiez auteur. Na bimi bo na zomu problème à misu. Les lots qui n'ont pas la talinette, la touche babino, n'a pas copié, bah tout songolo pakala. Alors, tout ça, c'était des choses que l'équipe n'a pas ça. Les lots qui basa forcé, y'a qu'aucun exil. Quand on a mouto à batouté, ils sont, même yomoko yibike, mabeza. Alors, en définitive, il évoque la question que Fati Azan a mauvaise relation avec les pays voisins, alors que Joseph Kabila n'a pas laissé ça. Joseph Kabila, très mécontent. Bon. Mais dans l'entendement de moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, de mauvaises relations, puisque tout ça a une relation à bien en Tanzanie, tout ça a une relation à bien en Burundi, tout ça a une relation à bien en Angola, Brazzaville, tout ça a une relation à bien en Centrafrique, les Rwanda et le Burundi, non, le Rwanda et l'Ouganda. Mais l'Ouganda, ça va. D'après nous, ça va. Mais d'après Joseph Kabila, la relation est bien. Il évoque la deuxième, dernière chose à l'objet, il n'y aura pas élection en décembre 2023. Alors, maintenant, nous nous posons maintenant la question. Donc, à l'objet, il n'y aura pas élection, et puis il y aura, les pouvoirs n'est pas capable de mettre fin à la présence à M23. Bref, attendez-vous à une surprise. Maintenant, je me pose la question. Quand je pose la question, on a vu, on a senti en ce monsieur l'idée de faire des recours à un groupe armé, à un mouvement armé, pour et là, je me pose la question. Joseph Kabila n'est-il pas en train de penser au M23, par exemple? Parce que le mouvement armé n'a minito et zaouap. Soit, il y a des gens qui ont la ville à Kinshasa. Puisque la personne qui parle ici, la personne. J'ai senti que. Les derniers recours, maintenant pour manifester sa colère, c'est faire des recours dans le groupe armé. Mais le groupe armé, au Wapi, Natali, Nabalouki, Namoni, groupe armé, Mibale. Soit M23, soit Oezana, la ville à Kinshasa. Alors, qu'est-ce que vous concluez? Conclusion à Binozanine, puisque Kabila ne jure que l'élection est atteinte en décembre. Et puis il va faire recours. Alors bien, on a mon retour, mais conclusion, déjà que il va faire des recours à un groupe armé. Les amis, on a le bien en conditionnalité. Parce que je suis sûr de mes sources. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on doit faire de Joseph Kabila? Qu'est-ce que vous proposez? Je ne vous demande pas de proposer qu'il soit arrêté, non. Qu'est-ce qu'on peut faire de... Parce que la violence allait les... Parce que à cause à la paix quelque part, et puis vous brandissez la violence, et puis Boko Bébi Samakamoto. Qu'est-ce qu'on peut faire de Joseph Kabila? Moi, je pense qu'il a raison de certaines choses. Mais cela n'est pas une raison. Il n'y a qu'à sacrifier tous les peuples. Bima yeb sa peuple que j'étais président, ce pouvoir. Je n'arrive pas à soutenir Yangote, puisque voici 1, 2, 3, 4. Tira la communauté à Pouina au lobby. J'ai besoin peut-être d'échanger avec les membres du gouvernement. J'ai besoin peut-être de tel dossier, Natika, Ndenge, Nazala, Kiko, Landela Yango, Nandenge, Bozo, Landela Yango. Je ne pense pas que Ego sont la population. C'est ça aussi, non? Hein, Jikaka. Et Songa Bissoro? Tout Songa Nako, Jikaka. Alors. Comment vous pensez cette histoire? Moi, je ne souhaite pas privilégier les volets violence. Je sais que la plupart propositions de Binezawana. Quelle est la proposition fiable? Mais je suis contre d'abord quand il dit que l'élection est aux alatés. Wana naibike, wana okosi.
élection est comme ça, puisque les 25, les députés vont déposer leur candidature. Alors, ce que tout ça a dit, les 25, les députés vont déposer. Alors, moi, ce que j'ai proposé, que est-ce que le gouvernement peut relancer, appeler ces quatre personnes? Je ne sais pas, il y a un ministre chargé, il y a Makambo Ape, réconciliation, on a évité. Ma proposition à moi. Est-ce que vous pouvez appeler ces gens? Mais je sais que leur problème, c'est de remettre en cause maintenant le processus électoral. Je sais que Wana et Gosimbate. Mais sur d'autres questions, Boyokan, qu'est-ce qui se passe? Makambo Tozo Yokaba Honoré Balobi, apparemment vous êtes frustré. Vous en avez moi Kanda. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être ceux qui Bango Bayete, moi je demande aussi que le gouvernement aille, puisque Toibi Kabila, c'est quelqu'un de trop fermé. Comme ça, le gouvernement peut s'approcher de Kabila, et puis on peut peut-être voir les choses autrement. Ça, c'est ma proposition. Je suis non-violent, et je souhaite que les choses peut-être puissent aller de cette manière-là. Si le gouvernement va dire que non, nous avons le pouvoir, on ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui n'a pas du pouvoir, je pense que c'est un mauvais conseil. Comme eux ne sont pas venus, pour créer la paix, ce n'est pas pour diminuer votre pouvoir. Essayez d'aller vers eux, les écouter, puisque Biloko Nazoloba. Retenez la date d'aujourd'hui, le 6 juin 2023. Dites comment le 31 décembre 2023, il y aura des choses. Essayez un peu d'approcher ces gens. Vous ne perdrez rien. Les ministres de l'Intérieur, vous resterez ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, que je salue d'ailleurs en passant. Proposez une rencontre. Nous avons suivi Honoré, étalé tout un certain nombre de Makambo, Ezo, Salabino passe. Et c'est vrai ou c'est du mensonge? Si vous avez du mensonge, vous continuez votre travail. Si c'est vrai, ils vous diront, il y a quelque chose qui ne va pas. Et sûrement, ils vous diront ça. Boyokana, je ne pense pas que vous allez refaire un gouvernement maintenant, à quelques jours. Je ne pense pas que vous allez et ça peut peut-être amener un climat. Il y a Kimia Nakati à Yamboka en Abisso, puisque je vois mal. Entre eux, c'est grave. Mieux vaut qu'on soit Bango raison. Nous avons besoin de discuter. Vous vendez autour d'une table. Les quatre personnes dont j'ai cité là, qui représentent Joseph Kabila. Et côté Félix Tshisekedi, même quatre personnes. Bon, solo l'anan, en parler, c'est agir. Et puis, nous allons voir ce qui peut se passer. Mais une chose est vraie, Joseph Kabila va faire recours à la violence et on va risquer de se rappeler de cette émission et ça sera peut-être trop tard. Un conseil que j'ai donné à toutes les parties, je n'ai pas utilisé de sentiments pour condamner ni l'un ni l'autre, mais je vous demande de privilégier les dialogues dans cette histoire. Merci. Je pense que je souhaite m'arrêter par là pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, chers amis. Qu'est-ce que vous dites, hein? Nous étions près de 7000. Est-ce que nous pouvons faire 7000 likes avant de quitter? Likons cette émission, s'il vous plaît. Likez. Ça fait du bien et YouTube va reconnaître notre émission. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, avant de quitter, faites-nous ça. Et vous êtes nouveau sur notre chaîne, une occasion de vous abonner. Et puis, quand vous vous abonnez, cliquez sur les alertes, parce que ça vous donne la possibilité de nous suivre à tout moment que nous sommes en direct. Donc, Bandeko ya FCC, Bochelangana, Fingi Moutouté. Du début jusqu'à la fin, na Fingi Joseph Kabila. Bandeko ya Félix Tshisekedi, Bochelangana, na Fingi, na Sengi, na Bino Bofinga Moutouté. Émission à Bissé Zara, émission Moro, il y a moi, hein, Licolo, on les fait en tout équilibre les propos pour ne pas frustrer les uns et les autres. Et donc, je souhaite qu'on s'arrête là comme ça. Merci beaucoup, chers amis, je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne idée, une très très bonne soirée. Et puis, je vous demande, comme toujours, de protéger la RDC, de défendre la RDC, protéger les présidents de la République. Puisque malgré tout ce qui peut nous arriver,
jamais nous n'accepterons, jamais nous ne sommes, nous serons prêts à perdre un président encore en fonction. Au pouvoir, nous ne sommes pas prêts. Les Congolais, nous ne sommes pas prêts. Protéger le président de la République, protéger cette émission, protéger les présentateurs de l'émission. Et je pense que nous vous serons toujours très, très reconnaissants. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Avec espoir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Aimons le Congo, élevons le Congo, protégeons le Congo, car la RDC, c'est notre avenir, c'est notre sang, c'est notre terre. La loi Tchani est le seul gage pour garder l'intégrité de notre territoire. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacaos. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques. Et ça, aucun effet secondaire. Et tu fais des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale. Lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en RD Congo. Nazalaka na poto, nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo, bo mokolo na kozonga to pe soki na kei vacances, nazanga sika ya kopema matin na Congo, mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tili bambongo na ngai et pa ya oncle Chimfundu, leki ya maman na ngai. Noko Chimfundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Depuis on a fait ça qui est la $15,000, mais bah y a bien une place moins que moins cher. Bon, y a le bagini. C'est le permis de vivre. Moi, j'aime que n'as pas besoin de misat. Moi, je suis tonton Chimfundu, papa Chimfundu, oncle Chimfundu. Y a le bagini. 2005. Mouké, j'aime que. Non, on va tout matin. Nasongi qui s'assa. Ndako e muna nate. Ata terre ya pamba na muna te. Noko Chimfundu a belinga imo. Alors tango kanda e matinga e pene na kangisa Noko Chimfundu. Nazwi solution. MB Assistance Immobilier. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être relayé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de $300 par mois et après 10 ans, Nyongo Sili ou Komi, propriétaire ou Kololupa. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilière, Bissonios Fongola Namaboko, dans Kololupa. Avec MB Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiassimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiassimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de $5,000, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété.
De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Audiacimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Nelson Yanzila, Coco Yasuka Moka. Ashka, Ashka, Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamama na este, bobate la ma, nanzame bo. Bamama na este, bobate la ma, bobate la ma, nanzame bo. Oh, akuna na yeturi, bobate la ma, bobate la ma. Sisi Lumo ya kashaba Motema pasi eba na buna gana e Zambe alola Abate la bina Zambe Kostan dima Beta 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 matusa Beta matusa e Le FARC-TC, l'équipe Makasi, la police nationale. Mama yo yo, JR, Mama, Christian Chiwewe, les Djene Djene, patriotique. Ah, Kembo, ah, Kembo. Gongo mongali Malanda Nazemi o kosema Naleliyo Malanda Natoni o kotona Zakoma ye 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 Papana mbae Basusu bakanisa Kazoto eza kotonga Boye bakalo kuta Ebo makazoto Nana lelio bolingo ya papa e papa batela zoto e ya mweza lite pelo ya molimo molimo monsanto e aleluya ke bonanza San Joli e songa na yo za koma na toli o koto na za koma ye 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 yo yo oh Aleluya zambe na kongo zambe na nguya e atonda na bolingo Yonde monsa tu reto kumisio Moko na kongo Ato na boli mogo Mwana na zambe Obongi na kemo Yeah.
Tu es malade, 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 tu es malade